Bonjour, bonjour et bienvenue pour encore sur ma chaîne Cuisine Patisse. La recette d'aujourd'hui, c'est poulet au gombo et aubergine grillée. Je commence par vous présenter les ingrédients. Une bonne poule bien fumée, un peu de piment à votre convenance, un peu d'huile rouge, un peu d'huile de palme, un peu de poisson sec, de limagne, un peu de crabe, un peu de d'aubergine, un peu de gombo, voilà, autant de gombo que de d'aubergine, des crevettes séchées, et comme j'en ai pas, j'ai pris les crevettes fraîches, c'est pas grave, du cablé, magie jumbo, c'est facultatif, du sel, de l'oignon, voilà. Je commence par découper les gombo et les aubergines en petits dés. Ensuite, dans la casserole, je vais faire bouillir le poulet fumé, les crabes, les poissons fumés, les crevettes. Ensuite, le sel. L'huile, le magie, je vais couvrir et laisser bien bouillir. Donc voilà, j'ai découpé tous les gombos frais, les aubergines. Les aubergines, ça commence à noircir parce que c'était congelé. Voilà, vous avez la possibilité d'utiliser les aubergines très frais. Nous, on n'a pas tout ça. Donc je suis obligée de congeler et après les décongeler. J'ai découpé aussi tous les oignons, le piment, les piments, j'ai tout découpé. Et la sauce aussi qui bout bien. Voilà, il faut vérifier la consistance de la poule aussi. Et laisser finir complètement l'eau avant de renverser tout ce que j'ai découpé. Je reviens vérifier la sauce. Et après, c'est plus d'eau. Je vais renverser mes aubergines et les gombos découpés. Aussi les oignons et le piment. L'huile rouge. Voilà. Je l'ai mis juste avec une cuillère en bois. Et je vais couvrir, je vais réduire le feu. Je laisse cuire à feu doux. Et je reviens mettre le cablé. Le but de cette sauce, ce n'est pas d'être gluant, mais un genre légumes, aubergines et gombo. Je vais laisser cuire à feu doux. Et voilà, c'est presque bon. Il n'y a plus d'eau, c'est bien grillé. Faut pas trop tourner. Et voilà, c'est presque bon. Il faut pas trop remuer, sinon vous risquez d'écraser les aubergines avec le gombo aussi, les gombos. Voilà, c'est bien serré. Là, on retrouve, vous voyez. Et voici le résultat de mes gombos et aubergines grillées. Aujourd'hui, je vais l'accompagner avec le riz. Et après, je peux l'accompagner aussi avec la cassa. Voilà.